Coucou les filles, alors voilà, je vous retrouve pour une deuxième vidéo. Donc je ne suis pas maquillée, j'ai juste fait mon teint parce qu'en fait je fais cette vidéo juste après vous avoir fait ma routine teint. Donc là c'est juste pour vous faire un mini haul de 4 produits que j'ai acheté en parapharmacie, enfin que mon chéri a acheté en parapharmacie. Donc il a acheté 2 sprays de... Oula, ça va pas. Crème solaire, n'importe quoi. Donc de la marque Polysian et de la marque Rock. Donc celui-ci sera pour lui parce que c'est un 30 SPF. Il a la peau très foncée donc il n'a pas besoin de... Voilà. Et celui-ci, c'est pour moi, c'est un 50 SPF. Enfin SPF 50. Voilà. Donc il y en a un qui est donc le Rock et Toucher Invisible. Donc en fait ces deux-là ont une qualité et un défaut chacun. Donc celui-ci, j'adore. En fait, vous le mettez. Je sais pas si. Voilà. C'est pas un lait. Hop. Et on le voit plus. On ne le sent même plus. Il sèche totalement. Ça fait comme de la texture, c'est comme la sensation de l'huile sèche. Voilà. Donc c'est ce toucher invisible, donc forcément on ne voit pas, on ne sent pas, et par contre ils sont pas très très bons. Voilà, sa qualité, son défaut. Donc UVA, UVB, haute protection, enfin Rock, je pense que voilà. C'est un blablate, hein. 150 millilitres. Enfin je blablate surtout. Le prix, je vais essayer de vous le donner très très rapidement. Où est-ce qu'il est? 15,30€ et il y a eu 1 remise de 50%. Voilà. Ou 20%. Franchement, je là. Je ne sais plus. Bref. Bon, son prix de base est 15,30€. Voilà, comme ça au moins. Celui-ci, c'est 16,60€. Donc celui-ci, par contre, c'est un lait. Donc lui, quand vous le mettez, c'est violent, hein. Il y en a jusque sur le mur. Ouais, là. Bref. Donc là, par contre, c'est vraiment un lait. Et quand vous le mettez, il faut... Moi, j'en ai beaucoup. Je suis partie vraiment très vite. Bon, par contre, il pénètre très bien. Il laisse pas de film gras. Il n'est pas... Non. Mais c'est un lait. Et c'est vrai que le toucher invisible de chez Rock est vraiment... Ben, c'est plus agréable. Par contre, l'odeur est comme ça, quoi. Ils sont vraiment très très bons. Donc voilà. Donc sa qualité, c'est... Son odeur et sa texture, pas de film gras, etc. Le reste, c'est que c'est un lait. Bon, voilà. Celui-ci, sa qualité, c'est que c'est un toucher invisible. Vous le posez, hop, il se fond complètement dans la peau, il n'y a plus rien. Et son défaut, c'est son odeur. Bon, pas quand même poussé. Et celui-ci, c'est un 150 millilitres. Vous voyez, il y a ça aussi. Celui-là, c'est du lait, donc du coup ça prend beaucoup plus de place. Celui-ci, c'est, on dirait, du liquide tout simplement. Et du coup, bah ensuite je me suis racheté, enfin mon homme m'a racheté la créaline de chez Bioderma. Donc là il me l'a pris en gros, en 500 ml. Donc là j'ai le 250 ml, ça doit faire 2 mois que je l'ai. Je suis à peine à la moitié. Donc avec ça, j'en ai au moins pour... avec les deux réunis, j'en ai au moins pour je sais pas moi, 4 mois, 6 mois, j'en sais rien. Franchement, ce truc là est vraiment génial. Donc, je vous présente pas parce qu'à chaque fois je vous en parle. Et le gros m'a coûté, coûté 11,90€. Il y a un lot aussi de deux comme ça qui coûte 15€. Et donc je pense que moi, quand je vais retourner à la pharmacie, je vais me faire un petit stock. Peut-être pas tout de suite, hein, mais bon. Et ensuite la marque Tommy Guns, un soin démêlant grenade, fleur d'oranger et chanvre. Donc c'est un après-shampoing. Il est... Alors déjà l'odeur.
c'est une tuerie. Il est super. Donc celui-là, je l'ai utilisé après avoir fait mon bain d'huile pour me démêler les cheveux. Et alors, tous ces produits mélangés, bon là évidemment, ça commence à partir un petit peu en cacahuète parce que comme je les ai attachés pour vous faire ma routine matin, bah derrière forcément ça pouf, ça a piqué. Ils sont pas encore au point, mais sincèrement, ce produit-là, il est super, vraiment génial. Il sent bon, il démêle réellement, il nourrit les cheveux. Non, je l'adore. Sincèrement, ça. Donc moi, je l'ai trouvé en parapharmacie. Je pensais pas le trouver dans la parapharmacie. Moi, je pensais qu'il était à Carrefour. Parce que moi, c'est le Sophie Makeup Diary qui en a parlé. Et donc, j'ai trouvé ça très intéressant. Je me suis dit, il me le faut. Et donc, je pensais pas le trouver en parapharmacie. Et je suis super contente. Et non, ceci a coûté 6,80 €. Donc voilà les filles, c'était vraiment un tout petit haul. D'habitude, je fais pas des petits hauls comme ça, mais bon, je pense pas que je vais racheter des trucs tout de suite, donc voilà. Donc, ah si, peut-être, je vais peut-être aller faire un tour à The Body Shop si j'ai un petit peu de sous demain, normalement. Donc un petit tour à The Body Shop pour le dernier jour des soldes, parce que vraiment, j'avais jamais mis les pieds dans un The Body Shop et j'y suis allée samedi. Et je suis tombée amoureuse de ce magasin, un peu comme Lush. D'ailleurs, c'est ce qui est bien, c'est qu'à l'endroit où j'ai été, non, je blablate, hein. À l'endroit où j'ai été, il y a le The Body Shop, le Lush à côté, la parapharmacie en face, c'est comme ça, l'Occitane à 2-3 magasins après. Le monde des bisounours, vraiment. J'étais folle, super contente. Le Lush, il est immense, immense. Moi, celui que je vais d'habitude, il fait même pas la moitié. Celui-là, il est immense. Je vais me faire une razzia, ça va être terrible. Je vais vous faire un haul, le machin, il va durer 3 semaines. Donc, les filles, je vous mets tous les références produits avec les prix, etc., en barre d'infos, juste en dessous. Et je vous dis à bientôt. Et voilà mon installation caméra, super moderne. Et donc voilà, j'étais assise ici et mon nounours. Et voilà, le. Non, ce n'est juste. Ce n'est que du lait. Le lait, non, qui a volé jusque sur le mur, comme je vous l'avais dit. Donc voilà, je ne suis absolument pas douée. Ça a totalement volé. Et oui, voilà. Je suis un petit peu cinglée là et je crois que je m'ennuie un peu. N'importe quoi. Ah oui, tiens, vite fait. Hein, je vous ferai plus de détails un jour, peut-être. Mon coin make-up. Enfin, comme dirait mon chéri, mon coin bordel. En même temps, il faut que je refasse ça. Qu'en dessous, c'est une bordel ici. Enfin, bon, bref, je vais pas vous faire visiter ma chambre. Donc, la fille, je vais vous faire un gros bisou. Et j'ai fini mon délire. Oh, regardez, je vais vous présenter un truc. Mon diplôme chez Carice. Waouh. Les filles, à bientôt.